lundi et je vais en stage. J'avais emmené mon appareil photo pour vlogger avec aujourd'hui. Et bien sûr, en fait, la batterie n'était pas chargée. Donc du coup, il s'est éteint quand je parlais dans l'ascenseur. Du coup, c'est parti, j'y go. Et je vous l'avais dit, je crois que j'avais changé mon lundi avec mon samedi. Du coup, ça fait bizarre. Je suis jamais allée en stage un samedi. J'aurais préféré rester au lit, mais let's go. Voilà, il est 6h06. Hello! Oula, il y a de la lumière, des ombres. Matinée terminée. Là, je suis en super rue qui a genre à 2 minutes où je suis en stage. Du coup, en fait, je vais guetter s'il n'y a pas genre des promos de calendrier de l'avant, comme on est le 2 décembre. Voilà, j'aurais bien un calendrier, mais bon, on est l'après-midi, tout ça, on est samedi, donc je sais pas si on aura. Et s'il n'y a rien, je m'en vais. Et après, je vais à Carrefour. Et à Carrefour, qu'il y en ait ou pas, il faut que j'achète des bananes, des œufs, tout ça. Là-bas, je voulais passer à Action parce que c'est sur mon chemin. Sauf que j'ai regardé mon compte bancaire et je me suis dit qu'on va attendre d'avoir la paye, voilà. Parce que là, ça va pas le faire du tout. Parce que j'ai eu le RSI là qui s'est débité, ils avaient, dès le premier. Le RSI c'est en gros les taxes que je paye tous les mois sur ce que je gagne sur YouTube. Et ben on en donne pas mal et encore. En gros ça augmente tous les ans et là je vais passer au seuil maximum je crois l'année prochaine ou enfin dans quelques mois. Je crois que c'est ça, enfin bref. Du coup en fait on redonne pas mal de ce qu'on gagne quand même. Donc quand tu gagnes énormément, ça va, il t'en reste pas mal, mais en fait, voilà. Bon, moi, je ne gagne pas énormément, hein. Voilà, que vous le sachiez. Bref, du coup, je vais au Super U, venez avec moi. Mais il y a mon... c'est moche, les ombres, là, il y a un soleil. Bon, j'ai pris un sac, quand même, au cas où que je trouve mes calendriers, et si je les trouve, je fais mes courses ici, hein. Super joli, il n'y avait rien, les calendriers Kinder étaient toujours à 12€ là. Donc là je vais à Carrefour, sinon je dois acheter quelques petits trucs parce que je n'ai plus rien pour faire des bowl cakes et ça va pas du tout. Bon, j'ai acheté un peu plus que du lait et des œufs, mais je vous montrerai en rentrant. Non mais j'ai dit du lait et des œufs, je veux dire des bananes et des œufs, bref. Sinon pour tous les calendriers chocolat, c'était 2 plus 1 gratuit mais avec la carte. Et j'ai toujours pas fait ma carte Carrefour, ce serait peut-être temps un jour que je la fasse. Mais bon, j'ai jamais vraiment le temps, bref. On rentre et puis je vous montrerai ce que j'ai acheté. Bon, je vous ai posé, je vais vous montrer vite fait les courses. Donc comme j'ai dit à la base, j'étais venue pour deux trucs. J'ai acheté un peu plus de trucs, voilà, tant qu'à faire. Donc j'ai pris du blanc de dinde, voilà, parce que c'est pratique. J'ai repris des œufs, je voulais prendre... des fois ils font des packs de 20, mais il me semble que c'est que au Super U, j'avais trouvé bleu, blanc, cœur, mais là il n'y en avait pas, donc c'est 20 œufs comme ça. Du fromage râpé, la base. Mes petites bananes. J'ai pris du surgelé, j'ai pris des poivrons comme ça, c'est pratique. Surtout genre pour l'hiver, tout ça, au lieu d'acheter des vrais poivrons pratiques, voilà. Je voulais prendre des pâtes complètes, j'en ai pas trop trouvé, ou alors j'ai pas bien cherché. Du coup j'ai pris des farfales tomates épinards. Ensuite toujours congelé des petites crevettes, toujours congelé du saumon, donc il y a deux pavés. Et j'avais déjà vu l'autre coup, c'est cool, mais du coup j'en avais pas pris parce qu'on avait pas trop de place dans le congé. Donc là j'espère que tout va rentrer, c'est pour ça que j'achète pas plus de trucs comme ça. De la marque Carrefour Veggie, ils sont moins chers les trucs congelés comme ça plutôt que les autres trucs où t'en as deux dedans pour 5€. Là pour genre 3€ il y en a 4. Donc il y a 4 galettes boulgour et pois chiches à la provençale. Et j'ai pris, donc il y en a toujours 4, c'est des galettes blé, épinards et mental. Et panure multigrain, donc je trouve ça cool. Il y avait aussi des nuggets, mais bon ça allait pas rentrer si je prenais ça aussi. Mais les nuggets VG, en plus elles sont bonnes. Ensuite j'ai pris de la sauce arrabbiata, parce que j'aime trop cette sauce. Et de la sauce pesto, voilà. Bon, j'ai sorti la poubelle, j'ai rangé les courses, tout ça, j'aurai un peu de rangement à faire. Mais déjà, faut que je monte un ou deux vlogs, enfin déjà un. Et ensuite, j'ai pas mal de vidéos à tourner, j'aimerais bien tourner aujourd'hui, voilà. Je pense que je vais monter un vlog, je vais goûter, ensuite je vais me doucher, comme ça je me lave les cheveux pour tourner mes vidéos. Faut que je les prépare, je sais pas exactement ce que je vais filmer. Et puis voilà, pas mal de petites choses à faire, stop. Je viens de me rendre compte que je voulais monter un vlog. Et
ma carte SD, elle est où? Dans mon appareil photo, qui est où? Que j'ai oublié dans la voiture ce matin. Du coup, je ressors, enfin je retourne dans le garage. Et ce qui m'arrive à chaque fois quand je redescends dans le garage, c'est que je prends mes clés de maison, mais que j'oublie de prendre mes clés de voiture. Du coup, après t'es coincé, il faut remonter. Donc là, on ne fait pas l'erreur. C'est bon, le voilà le coco qui était resté dans la voiture. Et dans le garage là, ça sent une odeur de cigarette, ça pue. Pourtant il y a... Je viens de mettre mon appareil photo dans ma poche, sauf qu'il est gelé, ça m'a gelé la cuisse. Bon, retour à l'appart, on va prendre les escaliers parce que ça va plus vite que l'ascenseur, sauf que je peux pas prendre les escaliers pour descendre en fait. C'est un peu compliqué et du coup je vais prendre l'ascenseur pour descendre. Hello, je vous retrouve, il est 20h40. Échec de mon planning, voilà. Je sais plus ce que je faisais sur mon bureau, genre je me suis endormie sur mon bureau, sur ma chaise. Et donc je me sentais fatiguée, donc je me suis posée au lit. Et voilà, il est 20h40 et j'ai fait que dormir. Entre temps mon copain est rentré, il est parti, il avait un truc... une sorte de soirée, enfin genre un truc à son boulot. Et tout à l'heure en fait on a une soirée d'anniversaire d'un de ses potes. Et au départ j'avais dit que j'allais venir et je me suis dit que je crois que en fait je vais pas venir et que je vais dormir parce que je suis crevée. Et que si j'y vais, bah, ça va encore prendre sur mon sommeil. Donc voilà, je pense que je préfère dormir. Et du coup j'ai pas mangé. J'ai pas vraiment la foi de me faire manger. Du coup je sais pas ce que j'ai. Et j'ai pas spécialement très très faim. Mais bon, faut quand même manger un petit truc. Donc je vais aller guetter. Du coup, bah je pense que je vais vous laisser pour ce vlog. Hein, voilà, parce qu'il va rien se passer vraiment d'autre. Je vais aller trouver un petit truc à manger. Puis aller me recoucher, je pense. J'arrête pas de bailler, c'est insupportable. Je vais aller aussi... du coup, me démaquiller. Enfin, démaquiller. J'ai juste mis un petit peu de correcteur ce matin. Puis me mettre en pile. Parce que bon, je vais pas dormir en pull et tout, quoi. Donc voilà, voilà. Du coup, va falloir que je tourne les vidéos lundi matin. Sachant que je dois en mettre une en ligne lundi après-midi, faut que j'ai le temps de la filmer, la monter et tout ça. Donc bon, on verra comment ça se passe. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Et je voulais vous dire que du coup, j'avais fait un petit sondage sur Twitter et que vous aviez été beaucoup à vouloir des vlogmas, donc des vlogs tous les jours. Sur la période de Noël du coup. Donc je pense que je vais essayer de mettre un vlog tous les jours, sauf les lundis et jeudis, en fait les jours de publication sur ma chaîne principale, donc en gros comme je faisais avant pour les vlogs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Il y aura des jours où bah, ça sera pas très très intéressant. Voilà, je vais essayer d'aller faire genre quelques achats de Noël, tout ça, dès que j'ai mes petits sous, et je vous emmènerai pour mettre un peu de Noël dans ces vlogmas. Voilà, j'ai presque oublié le calendrier. Alors, numéro 2. Numéro 2, donc on a une crème pour les mains. Donc, au beurre de karité à 20%. Et elles hydratent super bien ces crèmes. Que je suis plutôt très contente, elles sont trop cool. Puis j'ai des petits formats, donc pratique en stage à mettre genre dans sa poche ou à glisser dans son sac à main. Donc, voilà. Et mon petit calendrier de chocolat. Ils sont durs à voir les numéros. Ah, là, voilà. C'est un peu mal fait, je trouve, leur histoire, là, pour les sortir. Et aujourd'hui, on a un petit cadeau. Faites de très gros bisous et je vous dis à demain. Jingle bell.